Amel Bent s'est confiée à propos de son envie d'arrêter la musique peu de temps après la naissance de sa fille pendant un coaching avec deux candidates de The Voice dans une vidéo disponible sur MyTF1. Des confidences pendant les coachings. Ce samedi 15 avril, les téléspectateurs ont découvert les premières battles de cette dernière saison de The Voice. Pour cette nouvelle étape de l'aventure, la production a décidé de changer quelque peu le format puisque les coachs ont maintenant un fauteuil en plein milieu de la scène pour être en immersion totale pendant les interprétations. À l'issue de cette première soirée, de nombreux talents ont été sauvés, éliminés ou repêchés par Vianney, Amel Bent, Zazie et Big Flo et Oli. Et ce n'est que le début puisque les battles continuent dès ce samedi 22 avril sur TF1. The Voice 2023, une séance de coaching d'Amel Bent sous le signe des confidences pendant le prime des battles, les téléspectateurs découvrent seulement une courte partie des séances de répétition entre les coachs et leurs talents. Cependant, pour les plus curieux, les coachings sont publiés en intégralité au fil de la semaine en avant-première sur MyTF1. Et pendant ces échanges privilégiés entre les membres du jury et leurs talents, certains se laissent aller à quelques confidences sur leur vie privée. En effet, pendant une séance de coaching, disponible ici, avec Zoé et Cilia, deux mamans de jeunes enfants, Amel Bent s'est confiée à propos de son envie d'arrêter sa carrière lorsqu'elle a accouché de son premier enfant en 2016. Quand j'ai eu ma première fille, j'ai carrément renié la musique. Ça a soigné tous les endroits que la musique soignait avant en fait. Je n'ai plus besoin. Je n'avais plus besoin de chanter, a-t-elle expliqué à ses talents, partageant avec elle plusieurs similarités dans leurs histoires personnelles. Je suis malheureuse, confie Amel Bent toutefois, son amour de la musique et sa passion pour la scène ont finalement repris le dessus. Puis, c'est revenu en mode incendie. Un matin, j'ai fait, ouah, il faut que je chante. Je n'en peux plus. Je ne suis pas moi, je suis malheureuse, je ne suis pas bien, a-t-elle continué avec un grand sourire. Finalement, sa passion est revenue comme au premier jour et la maman est retournée en studio. Ça va un temps. Puis, ça revient tout le temps, a-t-elle ensuite conclu. À lire aussi nous n'avions pas le droit, la production de The Voice réagit à la demande inédite de Prisca et Mea.